signalement a eu lieu près de Midtown North. Terminé. Les hommes d'Amered et les sacs d'argent. Allons voir ça. Bon alors, on fait joujou avec des faux billets et on oublie de m'inviter? Ça va faire mal! Un petit coffrage de faux monnayeurs pour bien commencer la journée. J'ai envoyé un texto à Yori pour récupérer ces types. En faudrait un emoji speedum. Les hommes d'Amered essaient de l'intimider. Je dois intervenir. Hé, vous êtes bien tapés pour la prison! Spider-Man! Regardez ça! Spider-Man, Eh ben, ces gars-là, c'est pas le manque de confiance en eux qui les étouffe. Merci. Ils se sont fait avoir. Je porte un micro. On dirait que l'une des toiles volées dans le coin. Attention, on a une course-poursuite en cours, peut-être un véhicule de la Magia. Agent dans la zone de Vanderbilt, tenez-vous prêts. C'est forcément là. Une autre œuvre. Dis donc, ce gars n'arrêtait pas. Inspecteur, on dirait que je viens de dénicher le dernier. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Non, c'était la dernière pièce du butin. Je vous suis infiniment reconnaissant, Spider-Man. Toujours au poste, inspecteur. Edith,
Vous avez sans doute vu juste concernant votre Black Cat. Veillez bien sur elle, d'accord? Ça me rassurerait. Hein? Trop bizarre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi, je ferais mieux de le rappeler. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service. C'est quoi ce délire? Je peux qu'à me rendre à son commissariat. Gare à la chute! Encore des malfrats? Ils se sont donné le mot? Un jour, juste une fois, j'aimerais monter dans une voiture. Patrouille à centrale, envoyez des renforts. Des sacs d'argent sur un toit. Rien de plus normal. Attends, tu me demandes d'écouler de faux billets dans mon magasin? Spider-Man! Cette transaction est parfaitement légale! Bah alors, on fait joujou avec des faux billets et on oublie de m'inviter? Ça va faire mal, gamin.
Grégory, là. Les billets feraient presque illusion pour jouer à la dinette. Un texto à Yuri et les policiers arrivent. L'alarme d'un commerce local vient tout juste d'être déclenchée. Besoin d'effectifs à Lenox Hill. Terminé. Flagrant délit de raquette. Il faut que j'intervienne. Ça commence à bien faire, les criminels. C'est l'araignée. Chopez-le. Oh, trop chou. Amorel, vous en va faire ce petit tour. Hammerhead raquette ses gens en échange de sa protection. Ça se passera pas comme ça. La police arrive, alors je me fixe.
Les hommes d'Hammerhead retiennent quelqu'un dans le coffre. Ça pour le bruit, il l'ouvre. Oh non ! Hé les gars ! Est-ce que la victime est gratuite si vous la livrez pas dans la demi-heure ? T'as envie de mourir, c'est ça ? Allez, Fantico ! Y'a plus beaucoup de gars ! Merci, Spider-Man. Bravo pour votre courage. La police arrive. Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs quand la police arrivera. Salut. Je vais voir l'inspecteur Mackey. Mackey... Non, ça me dit rien du tout. Un certain âge, la moustache, non? Soit vous vous trompez de bloc, soit on vous a fait marcher. Ouais. Et moi, j'ai couru. Inspecteur Mackey, ou devrais-je dire Walter Hardy? Hey, épargnez-moi votre jugement. J'avais pas le choix. Je vous rappelle que votre fille vous croit mort. Il vaut mieux pour elle que personne ne la détrompe. On est bien d'accord? D'accord? Mais vous venez de salement m'entuber. Pourquoi je vous aiderais? Parce que vous êtes un gars bien. Prenez soin de ma petite. Ah, je me suis encore fait balader. Pourquoi je peux pas être cynique et sans cœur, comme tout le monde? Mes fidèles auditeurs m'ont signalé que Spider-Man avait vandalisé des biens publics, forçant notamment des relais électriques et d'autres structures liées à des services publics et privés essentiels. Certains disent même qu'il semble chercher quelque chose, mais qu'il ne trouve rien et n'emporte jamais rien. Mes amis, je pense qu'il est temps d'envisager le fait que Spider-Man est une araignée au plafond. Ah, évidemment! Un individu normal ne se déguise pas en insecte pour bondir à travers la ville. Mais si en plus il cherche quelque chose qui n'existe pas, il souffre probablement d'hallucinations ou d'accès de colère incontrôlable. Mais dans les deux cas, il est temps de faire appel aux messieurs en blouse blanche, équipés de filets à papillons géants. Ça existe encore, hein, Jared? Comment ça, ça n'a jamais existé? Une explosion de voitures piégées. Besoin de renfort dans le Meatpacking District. Terminé. Encore des voitures piégées. Je ferais mieux d'envoyer un Spider-Bot. Personne ne s'en croit.
Ok, petit, trouve-moi les autres explosifs. J'en ai une. Je dois chercher les diodes clignotantes des détonateurs. C'est désamorcé. Localisons les autres. Désamorcé. Je dois trouver les autres. Il en reste encore quelques-unes. C'est bon. Plus qu'une. Je les ai foutus. Spider-Bot, je vous aime.